À tous ravis de vous retrouver dans un nouveau Colcaise et aujourd'hui à la demande d'Annick je vais me pencher sur l'affaire Miss Etienneau. Alors, me direz-vous qu'est-ce que cette affaire En fait, l'affaire Miss Etienneau, du nom des principaux protagonistes Raymond Mist et Gabriel Tienneau, est une affaire criminelle française qui s'est déroulé dans l'Indre au XXe siècle et qui a fait l'objet de trois procès en cours d'assises entre 1947 et 1950. Cela s'est conclu par trois condamnations successives des deux accusés. À partir de 1980, certains journalistes ont mis en avant l'hypothèse d'une erreur judiciaire. Cette éventualité implique que d'autres personnes que les protagonistes condamnés soient les véritables coupables du meurtre du garde-chasse Louis Boistard et que l'enquête judiciaire originelle ait induit la justice en erreur. Six requêtes en révision déposées entre 1980 et 2013 ont été rejetées. Une nouvelle requête déposée en, 19... en 2022 pardon, est jugée admissible en 2023. Alors les faits. Les faits se déroulent le 29 décembre 1946, jour de la fermeture de la chasse. Louis Boistard, un des deux gardes-chasse du château de Blison, de l'industriel Jean Le Boudy, n'est pas rentré le soir à son domicile. Son épouse, inquiète, informe dans la nuit le régisseur de la propriété, Henri Béthune. Celui-ci prévient la gendarmerie. Durant la journée du lundi 30 décembre, les gendarmes interrogent en qualité de témoins les chasseurs de la veille, dont en premier Gabriel Thienot, qui demeure chez sa mère. Celui-ci leur fait à plusieurs reprises des réponses contradictoires, avec celles d'autres participants à la chasse, les miss, père et fils. Au matin du 31 décembre, le corps du garde-chasse Louis Boistard est retrouvé criblé de plomb, provenant de quatre tirs distincts l'étang des saules sur la commune de Saint-Michel-en-Brenne par un garde-chasse, René Beignaud. Aussitôt, la gendarmerie commandée par le chef Lardot prend les dispositions nécessaires pour protéger les lieux et informe les autorités compétentes qui arrivent l'après-midi sur place. Le juge d'instruction de Châteauroux, René Hollon, délivre une commission rogatoire aux policiers de la brigade criminelle de Limoges. Ces derniers, sous la direction du commissaire Georges Darot, font un état des lieux et le médecin légiste procède à l'autopsie de la victime. Dans l'après-midi, Gabriel Thienot est interpellé par les gendarmes dans les rues de Mézières et est placé directement en garde à vue. Il reconnaît leur avoir menti la veille. Il dit ceci Je reconnais avoir menti à plusieurs reprises, notamment en vous disant que j'avais quitté la blinerie. À 15h30, alors que je n'en suis parti qu'à 17h, que j'avais tiré trois coups de feu, alors qu'en réalité j'en ai tiré six, et d'autre part que je n'avais tué aucun gibier alors que j'ai tué un lapin. Je reconnais avoir mal agi et je ne m'explique pas pourquoi j'ai fait ça. Les deux conclusions de l'autopsie conclusion, connue, l'inspecteur officier de police judiciaire Maurice Vidal procède, assisté de deux gendarmes, à une perquisition au domicile de Gabriel Thienot. Il y découvre une bourre de cartouches de type Gabelle, identique à celle découverte dans une blessure du garde assassiné. C'est un premier indice d'importance. En effet, d'après les blessures, il apparaissait que deux personnes avaient tiré sur le garde avec des fusils de chasse à deux coups. Le rapport d'autopsie. Relève quatre coups au total. Deux coups tirés à une certaine distance et deux coups tirés à bout portant. À partir des témoignages recueillis, les enquêteurs établissent la liste des chasseurs invités des Miss qui ont participé à la chasse. Chacun est interrogé et fait le même récit de la journée, précisant n'avoir jamais rencontré le garde boistard. Deux chasseurs, Christian Grosjean et Albert Nisseron, voisins des au homme de la Blinerie, ajoutent avoir quitté prématurément la chasse pour se rendre à Marnoux afin d'y rencontrer le jeune Gérard Gaspard. Il s'agissait de louer ses services pour des travaux de ferme. Lorsque l'inspecteur Maurice Vidal se rend à Marnoux pour vérifier leurs dires, Gérard Gaspard lui rapporte des propos de Christian Grosjean décrivant une altercation entre les chasseurs et un garde-chasse dans l'après-midi du dimanche 29 décembre. Propos confirmés par son père, Henri Gaspard. Ces renseignements concordent avec les déclarations de Désiré Brunet, de la ferme « Prends garde à toi », proche de l'étang des Saules où le corps a été retrouvé et qui a déclaré aux gendarmes avoir entendu les éclats d'une dispute entre les chasseurs et le gendarme Boistard. Le matin du jeudi 2 janvier, l'inspecteur Vidal entend de nouveau Albert Nisseron et lui fait part des éléments qu'il a recueillis auprès de Gérard Gaspard. Nisseron ébranlé fait à l'inspecteur un autre récit du déroulement de la chasse. Deux coups de fusil ont été tirés par Raymond Miss sur le garde Boistard, avec deux coups à bout portant tirés par Gabriel Thienot. Il rapporte également que le corps du garde a ensuite été transporté dans les agents de l'étang des hautes rondières. Il déclare finalement avoir reçu des menaces le lundi matin de Raymond Mist s'il parlait de ce qu'il avait vu. Entendu plus tard par le commissaire Darot, Christian Grosjean reconnaît aussi les faits. Le soir du jeudi 2 janvier, gendarmes et policiers font part de leurs découvertes sur le terrain et dans la maison des mistes et reconstituent les circonstances qui ont conduit au meurtre du garde-chaste Boistard. Vendredi 3 et samedi 4 janvier 1947, les enquêteurs interpellent les chasseurs suspects pour procéder à leur interrogatoire. Dimanche, donc le 5 janvier, Interrogé par l'inspecteur Vidal, Gabriel Thienot passe à des aveux circonstanciés. Raymond Miss signe le procès verbal de ses aveux le 7 janvier, tout comme Bernard Chauvet, qui a fait part de son soulagement auprès du chef de gendarmerie Lardot, ex-collègue de son père. Aucun ne dira avoir subi de sévices de la part des policiers. Gabriel Thienot le confirmera à nouveau aux assises de Bordeaux. Le juge d'instruction, venu de Châteauroux, reçoit les aveux de tous les suspects, les places sous mandat de dépôt. Ils sont alors transférés à la maison d'arrêt de Châteauroux. Le commissaire divisionnaire Tardieu, supérieur du commissaire Darro, est venu sur place se rendre compte du déroulement des opérations. Les journalistes des deux quotidiens régionaux présents sur les lieux rendent compte des événements sans signaler de violences policières lors des interrogatoires. Celui du journal communiste L'Echo, La Marseillaise, écrit grâce à la diligence des inspecteurs de la 20e brigade de police de Limoges, sous les ordres du commissaire Darot et à l'aide précieuse que leur a apportée la gendarmerie de Mézières-en-Brenne, commandée par le chef Lardo, la lumière est définitivement faite sur l'horrible crime de l'étang des Saules, dont la victime est, comme chacun le sait, le garde-chasse de M. Lobody, M. Louis Boistard, honorablement connu et estimé dans toute la contrée où il n'exerçait pas avec une sévérité excessive un délicat métier. Raymond Miss et Gabriel Thienot ont fini par avouer leur forfait. Mais depuis le 5 octobre, depuis le jeudi 5 octobre, la cour de révision s'est saisie de ce dossier. La septième requête en révision déposée par leurs proches leur permet enfin d'espérer qu'à titre posthume, ces deux hommes, Raymond Miss et Gabriel Thiénaud, soient enfin innocentés. Ils ont tous deux été condamnés pour le meurtre du garde-chasse. Après avoir avoué sous la torture avant de se rétracter. Alors, coup de théâtre, parce que tout le monde pensait qu'il n'y avait pas eu de torture. Or, les deux protagonistes racontent qu'ils étaient à genoux, sur une règle en fer, nus, pendant des heures entières. Il fallait tenir le plus longtemps possible, et quand on s'écroulait, on nous mettait des seaux d'eau à la figure et on nous remettait sur cette règle en fer. Raymond Miss et Gabriel Tienot ont été retenus à l'intérieur de la mairie de Mézières-en-Brenne pendant des jours et des jours, à tel point qu'on les entendait crier de douleur du dehors. Et ces deux hommes à peine âgés de vingt ans ont signé des aveux, même s'ils se sont rétractés après, il était trop tard. Ils étaient condamnés à quinze ans de travaux forcés, et c'est le président René Coty en 1954, après qu'ils eurent purgé la moitié de leur peine, qui a pris la décision de les libérer. Alors, ce que je vous propose, eh c'est de regarder, finalement, avec l'oracle de Béline, c'est de voir qu'est-ce qui a pu se passer. Le garde-chasse est mort. C'est clair. Mais quand on cherche un tout petit peu, eh bien, on apprend que le commissaire de police, qui était connu pour avoir des pratiques extrêmement violentes et pour avoir soutenu le régime de Vichy, s'est opposé à Raymond Miss et Gabriel Thienot, qui, l'un était communiste et l'autre était un résistant très connu dans le département. Étaient-ils finalement des coupables idéaux D'autant que cette affaire démarre juste après la seconde guerre mondiale alors que les tensions sont encore vives regardons avec l'oracle de Bélin, ce que l'on peut obtenir alors cette affaire Miss Etienneau. qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver en réalité moi ce que je vous propose c'est déjà de regarder la base comment s'est déroulé comment s'est déroulé l'interrogatoire de Miss et de Thienau. De Thiéno. En fait, ce que je cherche à savoir, eh bien, s'ils si ont subi des tortures, des interrogatoires musclés, ou en fait, qu'ensuite, ils se sont rétractés parce qu'ils ont eu peur de la justice. Il faut savoir dans quelles conditions s'est déroulé l'interrogatoire. C'est déjà le premier point. Et donc, je vais poser à l'oracle la question ainsi Comment s'est déroulé Comment a évolué l'interrogatoire de Raymond Miss et de Gabriel Tienno. Et donc, voyons avec un tirage en croix ce qui se passe. L'intérêt est de vraiment comprendre si finalement l'interrogatoire s'est déroulé dans de bonnes conditions ou pas. Dépression à la limite verbale, pourquoi pas elle pourrait apparaître avec une carte martienne. Je doute que l'interrogatoire se soit excessivement bien passé, comme si nous étions autour d'une table à discuter. Mais vous voyez que entre dépression verbale et dépression physique, il y a une grosse marge. Et regardons si ce qu'ils ont déclaré plus tard, quand ils ont retrouvé une liberté de parole, si c'est exact, s'ils ont vraiment subi une torture, s'il a vraiment eu des cris entendus dans le village. Bon, l'interrogatoire commence en tout cas d'une certaine façon, avec la carte hasard, mais surtout une carte jupitérienne. Et on a déjà l'idée que l'interrogatoire avec une carte de ce type-là, avec ce septenaire de Jupiter, c'est un arrêt interrogatoire qui est parti pour durer. On tente un petit peu des coups, il y a du bluff là-dedans, parce qu'avec la carte hasard, c'est de voir ce que l'on peut tirer d'un interrogatoire sans vraiment savoir ce qu'on va pouvoir obtenir. Mais l'idée c'est de faire durer l'interrogatoire. Il y a du bluff. Le bluff c'est quand même se dire on part sur une idée et on va l'emmener voir jusqu'où l'autre va réagir. Regardez les... le bluff au poker par exemple. Hein? Euh, le joueur qui n'a rien dans sa main, lui va faire croire à l'autre qu'en fait il a une main supérieure à celui qui est en face de lui. C'est l'idée. Hein? C'est vraiment l'idée. Bon. On peut le comprendre, c'est un interrogatoire et quelque part, il y a forcément des gens que les enquêteurs ont une intime conviction. Jusque là, il n'y a rien de particulier. Regardons comment ça évolue. On est quand même sur du temps qui est long. Alors quand il déclare que ça a duré huit jours, euh, on ne peut pas bien sûr dire avec cette carte que c'est huit jours à coup sûr, mais reste que ça a duré longtemps. Trop longtemps, trop longtemps pour Raymond Miss et Gabriel Tienno. Il y a une forme de lassitude, il y a une forme aussi, vous voyez, la ruine, c'est aussi une grande fatigue. C'est aussi l'idée que, que ces deux personnages sont en train de s'écrouler, de céder, de céder face au temps, à la pression et finalement aux arguments des, euh, des enquêteurs. Pour l'instant, on ne dit pas si les enquêteurs sont. Avec une activité, euh, seront avec une activité euh, euh, je me répète, euh, musclée, je dirais. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le temps joue contre Gabriel Tenno et Raymond Miss. Le temps, parce qu'ici, nous avons une carte saturnienne, et que Saturne fait toujours durer le temps trop longtemps. Pourtant, quelque part, l'oracle aurait conseillé, décidément, je vais y arriver, leur aurait conseillé de tenir bon. Ce qui veut dire qu'en face, il n'y avait rien. C'était bien sûr du bluff, nous étions bien sur cette carte-là, le bluff, mais euh, quelque part, avec cette carte, on nous le révèle, on nous fait comprendre qu'en fait, si Gabriel Thiano, Raymond Miss avaient tenu, dans les conditions de leur interrogatoire, c'est vrai, mais quelque part, la partie adverse, les enquêteurs n'auraient absolument rien pu leur mettre sur leur dos. Ce qui veut peut-être là déjà dire, quelque part, qu'il n'y avait rien. Rien dans le dossier. Rien les reliant réellement à Louis Boistard, le garde-champêtre qui a été assassiné. Donc le dossier semblait bien mince. Ça, c'est une révélation à comprendre. C'est un élément à tenir compte. Et que donc peut-être, peut-être, dirais-je, le dossier était-il suffisamment vide pour que Gabriel Thiéno et Raymond Miss n'aillent pas en prison. Alors vous voyez cette carte, carte martienne. C'est le climat de l'interrogatoire. le résultat est du lâcher-prise. Alors, je vous explique. En réalité, ce qui se passe, ça aurait été le contraire ici. On aurait eu tout autre aspect. On aurait eu un interrogatoire qui se passe bien et des aveux. Là, nous sommes sur un climat martien d'interrogatoire. Un climat martien, on leur fait leur procès avant le jour du procès. Les enquêteurs, eh bien, vous voyez, avec deux épées qui se croisent comme ça, et surtout un cycle de Mars, un septénaire martien. Mars, c'est l'agressivité. Nous sommes sur l'enquête, nous ne sommes pas sur le procès. N'allez hein. pas dire que cette carte, c'est pas possible. Elle représente le procès, ce n'est pas le sens de la question. Je vous le répète, une bonne voyance se fait avec des questions précises. Si on fait une voyance sans tenir compte des pressions, ce n'est pas la... des... des questions, pardon. Il ne faut pas faire de questions à ce moment-là, il ne faut pas faire de voyance non plus. Balancer des choses sans tenir compte de ce que l'on a demandé, juste pour distordre la réponse pour qu'elle colle à une vérité qu'on a en tête, ce n'est pas de la voyance. Je fais cette remarque parce que certains font des commentaires euh... un petit peu curieux, je dirais, que j'efface parce qu'ils n'ont pas de sens. Donc c'est bien moi qui les efface. Hein. Euh, mais quand on me dit que cette carte ne veut pas dire ça, en fait la carte je l'interprète par rapport à la question et non pas par rapport à des données qui n'ont strictement rien à voir avec la question formulée. Je les efface pour ne pas induire chacun en erreur par rapport à une mauvaise interprétation. Je prends le temps de vous expliquer les cartes, c'est justement pour... Que vous compreniez l'interprétation et pour que vous-même qui vous intéressiez aux arts ésotériques puissiez reproduire des voyances de qualité si vous-même vous en faites pour vous, pour vos amis. Je sais que beaucoup d'entre vous le font. Donc il faut pouvoir travailler sur de bonnes bases. Là, nous sommes sur le climat. La synthèse, c'est le climat. Et le climat de l'interrogatoire, il est placé sous le signe de Mars. Mars, qui est Toujours l'agressivité, qui est toujours dans l'action. Action en général assez musclée. Et là, quand Raymond Miss, Gabriel Tienot déclarent qu'ils ont subi euh, une torture, oui, on peut les croire. On peut tout à fait les croire. C'est ce que reflète, bien sûr. Là, on ne dit pas qu'ils ont été mis sur une règle en fer. Bien sûr que non. C'est parce que l'oracle ne peut pas dire ça. Par contre, ce qui est clair, c'est que l'oracle montre très fortement qu'ils ont subi des pressions, de l'agressivité, une forme de torture. N'oubliez pas, deux épées qui se croisent, on peut imaginer de la torture avec des épées, avec des lames tranchantes. Donc, vous voyez, là, nous sommes sous le climat de l'interrogatoire. Et comment il s'est déroulé jusqu'au bout La réponse, elle est là. Raymond Misset, et Gabriel Tieno lâchent prise. La carte campagne santé, la carte solaire, c'est qu'ils annoncent une solution et campagne santé veut dire qu'on prend du recul par rapport à une situation, qu'on lâche prise. C'est la carte qui peut représenter dans plein de conditions le lâcher prise. C'est le cas ici, il lâche prise et donc avoue. Avoue quelque chose sous la torture. Alors, encore une fois, soyons très clairs par rapport à la question, on ne sait pas s'ils ont avoué quelque chose qu'ils ont commis ou pas. Ce n'est pas ce que la question a posé. Par contre, soyons clairs, les enquêteurs n'avaient rien dans le dossier, le dossier était vide, c'est un coup de bluff, ils savaient que de toute manière ça allait durer, et dans leur intention de départ était bien de faire avouer les deux prévenus, le temps était extrêmement long par rapport à ce que ça aurait dû être, donc quand ils disent avoir été interrogés huit jours et torturés huit jours, oui on les retrouve ici simplement l'oracle leur aurait conseillé de ne rien dire de ne rien avouer parce qu'au final il n'y avait rien dans le dossier voilà ce qu'on doit pouvoir retenir alors maintenant et bien maintenant on va pouvoir poser des questions toutes simples à une carte et la première question elle va être très simple Comment a agi Raymond Miss vis-à-vis de Louis Boistard En ce jour du décès de Louis Boistard, bien évidemment. Et la même chose pour Gabriel Tieno. comment Gabriel Tieno a-t-il agi le jour de son décès face à Louis Boistard En réalité, on va voir s'il y a une forme d'agressivité ou pas. Là. Et dans aucun cas, on ne trouve de l'agressivité. On aurait pu trouver carte lunaire, carte martienne, pardon, pardon du bug, mais là, non, on n'y est pas du tout. Là, quelque part, nous avons un Gabriel Tienot qui ne s'en est pas vraiment occupé. Et nous avons Raymond Miss qui ne s'en est pas vraiment occupé non plus. C'est un petit peu différent la tonalité des cartes, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Elles n'ont pas de rapport, si vous voulez, avec une forme d'agression. On aurait trouvé une carte martienne, euh, si j'en trouve une... Euh, là, vous voyez, par exemple... Là, par exemple, là, on aurait pu parler d'altercation. Altercation, ensuite provoquant, effectivement, peut-être euh, un tir de fusil de chasse, etc. Donc quand on accuse ces deux personnes du meurtre du garde-champêtre, non. Alors me direz-vous, pourquoi l'enquêteur, le, le, eh finalement, s'est-il acharné sur eux Ah pardon, je bats les cartes, je m'en mets comme ça. Euh, eh bien, souvenez-vous, nous avons affaire à un jeune communiste et un jeune résistant. Et un commissaire de police qui était plutôt du côté du gouvernement de Vichy. On a plus l'impression d'un règlement de compte. Mais alors que s'est-il passé Que s'est-il réellement passé pour Louis Boistard Posons la question ainsi comment s'est déroulé le meurtre de Louis Boistard Alors bien sûr, vous allez me dire avec un fugitias. Oui, ça c'est vrai, c'est mis en évidence. Mais regardons comment ça s'est déroulé. Alors déjà, on a choisi de ne pas se parler. Visiblement, ou plutôt je vais rectifier, nous avons du mercurien. Mercure, c'est le vol, la perte. Rappelez-vous, Louis Boistard était le garde-chasse garde euh, du château. Or, il y a vol là. Est-ce que l'oracle ne serait pas tout bêtement en train de nous dire qu'on fait fausse-route dès le départ et que cette affaire n'a rien à voir avec une histoire de chasse Là, quelque part, vol perte, on a plus l'impression de quelque chose. Ou en tout cas, on tourne autour d'un vol, d'un vol potentiel. Alors je parle du château parce que ça m'est venu en tête, si vous voulez, on n'est pas loin du château. Euh... Ça ne veut pas dire que les personnes ont volé quelque chose, mais est-ce que quelque part dans la tête du, du garde-chasse, il n'y aurait pas une idée de vol, de, de dérobat, de quelque chose en tout cas Où on parle de, de quelque chose qui se substitue, qui se vole Nous sommes sur du mercurien, mercure ce sont les échanges, on peut aussi éventuellement soupçonner peut-être un prêt d'argent, en tout cas vous voyez on n'est pas du tout sur une querelle au points de départ de cette situation, est-ce qu'il va contre On ne se respecte pas, c'est donc quelqu'un qui est pris à partie entre guillemets par le garde-chasse et il n'y a pas de respect entre les deux. Il y, y, y a quelque part quelque chose qui ne va pas. On, on met ça sur le dos des chasseurs. Pour moi, on n'est pas sur un problème de chasse. Je dévoile toutes les cartes pour voir la solution. On est sur quelque chose où le ton monte. Quelque chose où les choses. Désolé de me répéter, mais ça. Il y a un événement qui ne me plaît pas dans tout ça. On est sur une parole qui se perd. On perd de la communication et en même temps on ne se parle plus, mais on est sur du vol. Il y a quelque chose qui se fait dérober. Quelque chose que l'on dérobe. Je n'arrive pas à trouver si c'est matériel ou si c'est euh, vol d'un gibier ou si n'oublions pas que la chasse est réglementée. Je suis pas du tout un spécialiste de la chasse, hein, je vous le dirai franchement. En plus, nous sommes dans les années juste après guerre, les règlements étaient peut-être tout à fait différents. Mais là, nous sommes sur quelque chose où on ne se respecte plus. On n'est pas agressif, mais on ne se respecte même pas. On se dédaigne, si vous voulez, parce que là dedans, il n'y a aucune carte martienne et il n'y a pas de crainte non plus. On n'est pas sur du lunaire. Ce qui veut dire aussi que, à aucun moment, le garde-chasse ne sent qu'il est menacé. Et j'en reviens à cette partie-là. Effectivement, il y a un manque de respect. Mais il n'y a pas deux individus, il y en a trois. Deux sont armés et un troisième regard. C'est eux il faudrait retrouver ces deux qui à l'époque auraient dû être recherchés la justice a fait totalement fausse route elle a été bernée bernée par ces personnes là parce que quelque part aussi vol perte c'est la perte de, de la réalité aussi dans le, la communication dans l'enquête nous sommes sur des indications qui sont extrêmement troubles ici dans cette zone là et le garde-chasse aurait dû regarder ailleurs. Il y avait quelque chose de plus intéressant. De plus intéressant pour qu'il puisse continuer à vivre avec cette carte jupitérienne. Quelque part... Il a voulu regarder quelque chose. Quelque chose qu'il n'aurait pas dû regarder. S'intéresser, il s'est intéressé à quelque chose qu'il n'aurait pas dû s'intéresser. Lui, Boistard, se faisant... Aurait pu rester en vie. Le traquenard n'était pas pour lui. Et en fait, il n'y avait pas de traquenard du tout. Il y avait quelque chose. Pour moi, on est sur un crime de braconniers, pas des chasseurs. Mais le braconnage, vous le savez, que c'est du vol. Ce n'était pas autorisé. Et pour moi, nous avons affaire à des braconniers qui, qui, qui se sont mis là en marge de la chasse pour passer presque inaperçu. Louis Boistard leur tombe dessus, et au final, bien sûr, les braconniers dédaignent Louis Boistard, ils ne lui reconnaissent aucune autorité, en fait, ils se moquent de lui, ils s'en foutent de lui, disons-le clairement, familièrement. Et les solutions, c'est de regarder vers des gens qui ne sont pas des chasseurs, qui ne sont pas des chasseurs, qui sont là pour aussi repéré, comme les braconniers le font sur le territoire, à poser des collets. Nous sommes dans les années 40, hein, 40-50, je vous rappelle, juste après la guerre. Nous sommes dans un environnement qui est totalement différent. Le garde-chasse, oui, quelque part, s'aperçoit qu'il braconne, et eux font terre font ce garde-chasse. Donc oui, il y a bien du vol, le braconnage étant du vol. Et nous avons une indication, au moins un de ces protagonistes travaille dans le bâtiment, si ce n'est que je dirais les trois. Les trois travaillent dans la construction. Et c'était là qu'il aurait fallu regarder à l'époque, car la clé indiquait bien la construction. Nous sommes donc face à une erreur judiciaire, nous sommes donc face à une grave erreur. Gabriel Tieno et Raymond Mist n'ont jamais commis le crime pour lequel on les a accusés et mis en prison. Ils n'ont été victimes que d'une après-guerre finalement, fait de revanche, de vengeance, de camps qui s'opposent encore alors que tout est terminé. Voilà, j'espère je, que Annick ce tirage, vous qui avez habité près de, cette, de cet événement, qui avez habité dans ce village tout proche, eh j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis pour les autres, eh bien, j'espère que là aussi ça vous aura intéressé, que vous avez pu regarder et vous-même comprendre comment on essaye de poser des questions pour avancer. Alors oui, certains m'ont reproché de me répéter un petit peu dans les explications des cartes. N'oublions pas que certains suivent la chaîne depuis longtemps et d'autres viennent de la découvrir. Chacun a besoin de comprendre eh bien, ce qui se passe avec les oracles, comment on les interprète. C'est pour ça que je continuerai à faire euh, quelque part des vidéos pour former les gens, pour leur expliquer aussi que les cartes ne tombent pas n'importe comment et que ça s'interprète avec un ressenti, avec... Une forme d'intuition pour essayer de découvrir la vérité. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau Call Et en attendant, je vous dis à bientôt.